Mais cette coupe de naze que j'ai en ce moment, c'est un truc de fou, hein. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on va tenter. Enfin, je dis on. Je vous embarque avec moi, c'est tout. Enfin, quand même, quoique. Aujourd'hui, on va tenter. Je vais essayer de faire un panneau. Donc celui-là. Le truc qui fait 1 mètre sur 1,50 m. En fait, c'est du. C'est une espèce de PVC. Une espèce de truc gaufré, là, en plastique. Donc là, j'ai passé quelques couches de blanc là-dessus. Je vais faire un texte. Je vais faire un texte. Hein. J'ai une petite idée. Un truc qui m'a toujours aidé. Un truc qui m'a. Un truc qui appartient à tout le monde, à mon avis. C'est un petit truc que je me répète souvent à moi-même. Je radote. C'est tu es celle qu'il te faut. Bon, alors, enfin, pour moi, ça peut être. C'est aussi tu es celui qu'il te faut. Quoique ma part féminine chez moi réclame aussi tu es celle qu'il te faut. L'idée, c'est de le mettre sur un panneau publicitaire qui est au bord de l'autoroute A36 qui contourne Mulhouse. Et c'est un panneau qui fait la publicité d'un restaurant Flunch qui n'existe plus depuis 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Donc ce panneau indicatif n'a plus de raison d'être. Et donc du coup, je me suis dit, ben, c'est abusé de mettre de la pub qui sert à rien. Et en plus, elle est dégueulasse parce que le panneau, il est tout blanchi, il est tout pourrave. Donc la publicité, pourquoi pas si c'est pas abusé. Et par contre, quand ça sert à rien et c'est dégueulasse et ça sert à rien. Oh, au secours, quoi. Donc autant profiter pour mettre autre chose dessus et puis on verra bien. Bon, allez, hop, au boulot. Thank you.
Ok, cool, bah je l'ai posé quoi. Tiens. Bon, j'ai tracé comme je pouvais, puis alors seul c'est la galère. J'espère que j'ai rien oublié comme un connard là-bas. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez le voir, tous les gens qui vont passer près de Mulhouse, direction la Suisse, l'Allemagne et puis le nord, quoi, enfin direction Strasbourg. Voilà, cool.